Grand toi, ne baisse pas les bras. La victoire au bout de la bataille n'emmenait rien sans sa foi. Dans ce monde sans foi ni loi, une mélodie d'espoir pour ceux qui mènent le bon combat. Mais pourquoi vous vous dérangez tant que je marche avec Dieu? Mais qui peut me stopper? Ce bison va le réanimer à coups de rimes et de prose, Molan est inspiré. Real soldier, real hustler, we gotta do, we only pay a do pour faire ce qu'on a do. Soldier, real hustler, we got it too, we only pray à tout pour faire ce qu'on a tout. Ok, ok, ça vient des bas fonds et ça vise le sommet. Le son s'y sent bon, hein. Mais là je te promets, I wanna be somebody, somebody in this life, nigga. I wanna be somebody, somebody in this life, yeah. Je me battrai toujours pour job à la sueur de mon front. Le combat continue, droit au but, on va péter le score. Real soldier, real hustler, we got it all, we only pay à tout pour faire ce qu'on a tout. Chanter Nao sa tech et na langue et des yon encore. Pour que t'es ma baby et que pour toi, je n'arrive pas à apprendre. Sunita ne fait que mettre de la musique. Et quand je lui demande d'arrêter pour me permettre de travailler, elle me dit carrément qu'elle est chez eux. Ce n'est pas ça, maman, c'est que je voulais là-bas. Et fais-moi ta sale bouche avant que j'étais de le faire. Idiote comme ça, là. En sortant d'ici, tu n'as pas demandé de me trouver en route. Maman, je veux d'abord finir ma vidéo à poster avant de venir. La vidéo, là, c'est celle qui t'apporte à manger ici. Je te pose une question. C'est celle qui t'apporte à manger? Non, mais tout le monde a posté sa vidéo à 13h. J'avais déjà presque terminé pour moi. Elle me parle encore de ça. Tu as le courage de me parler de ta bêtise là. Tu penses que ton père mourant, il m'a laissé un arbre où je vais cueillir de l'argent pour vous nourrir? Tu sais bien les sacrifices que je fais pour vous assurer une vie meilleure? On te prie de prendre soin de moi comme le font d'autres mamans dehors. La folle me parle carrément de sa bêtise de vidéo. Que j'entends encore parler de ça. Feignante comme ça. Et va encore me chercher mes assiettes. Bah, je t'ai dit. Sauvage comme ça là. Bête. Maman, il faut parler à ton enfant. Franchement, il faut parler à ton enfant parce que j'ai l'impression que vous voulez seulement me chasser de cette maison.
Qui va te chasser? Jean, c'est leur maison, ce n'est pas le chez nous. Parle à ton enfant, je suis fatiguée. Va apprendre, ma fille, va apprendre. Je rentre du marché, le marché était tellement dur aujourd'hui. Sunita. Wonder, wonder. Chérie, je te sens triste. Est-ce que tu peux me parler? Je me demande parfois si je n'ai pas été trop dure envers ma soeur. Elle avait besoin de moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai lâchée. Écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais pour la ramener dans le droit chemin. Mais elle voulait autre chose. Tu ne vas pas te tuer pour ça? Je ne connais même pas là où elle se trouve en ce moment. Je ne sais pas si elle est en santé. Ou elle est même encore en vie. Je ne connais pas. Akamba est une grande fille. Si elle avait un problème, tu l'aurais su. Écoute, tu as des nouvelles de ta belle-sœur? Oh, dernière nouvelle quand même. Tout allait bien pour elle et ses enfants. C'est une femme forte, déterminée, elle est à féliciter. C'est pourquoi tu voulais te mettre avec elle, n'est-ce pas? Oh, chérie, ça c'est du passé, hein? Maintenant, il s'agit de toi et moi. Et Dieu! Enfin, te voici devant moi, ma chapeau. Hé, Kameni, c'est quelle façon de me dire bonjour, là? S'il te plaît, ma chapeau, ton bonjour ne me donne rien. Tout ce que je demande, c'est que tu me remettes l'argent des gens que tu m'as fait prendre à la réunion. Et à cause de toi, je peux planter chez moi avant 23 heures. Kameni, je n'ai pas rendez-vous avec toi. J'ai rendez-vous dans 30 minutes. Tu as mon numéro. Il faut m'appeler. Voilà. Je ne te laisserai pas partir si c'est mon agent. Hé! Je suis parti chez toi plusieurs fois. On m'a dit que tu n'habites plus là-bas. Et même quand je t'appelle mon numéro, tu ne décroches pas. Et tu penses que c'est juste que tu vas le faire? Kamé, je ne suis pas d'humeur, hein. Je dis bien, je ne suis pas d'humeur. Voilà. Tu crois que je suis en train de bouger? Tu te bouges pas, c'est ça, mon agent. Laisse mon sac. Tu me remets mon agent. Laisse mon sac. Tu me donnes mon agent. Je vais te taper. Laisse mon sac. Voilà. Oui. Voilà. Tu te bouges pas, voilà. Voilà. Ça va pas. Laisse mon sac. Laisse mon sac. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas bandit. Monsieur, c'est pas. Je ne suis pas un voleur, monsieur. C'est pas mal. C'est une menteuse professionnelle. Je vous dis vraiment. Tout ce que je lui demande, c'est qu'elle me remette l'argent que j'ai pris à la réunion pour elle. Quel argent? Si vous doutez, regardez mon téléphone. J'ai son numéro. Ma choco. Je l'appelle chaque fois, tous les jours. Au moins 8 fois, sans suite. C'est une menteuse. Ce monsieur peut avoir raison, hein. Raison ou pas, il m'a agressé. Et c'est ça qui compte. Bro. Alors, quelqu'un peut porter sa part dans les problèmes de couple ici. Bon, ma choco, aujourd'hui, tu cries sur moi. Tu me déclares voleur, moi. Tu as eu ta chance. À la prochaine fois, non, on va te séquestrer. Tu t'abuses, je récupère ça maintenant. Tu peux faire quoi? Tu me remets ça maintenant. Voleuse. Cours. Sauvage. Tu ne rats pas. J'ai dit que tu ne rats pas. Va me porter plainte. Va combien il est. On a failli commettre le pire. Dieu était vraiment avec nous. Sinon, on aurait su la conscience, la mort d'un papa en ce moment. La pomme là est courageuse, hein, mon frère. Tu réclames tes dos, elle te traite de voleur. On dirait que tu apprends encore la femme. Plus criminelle ou diablesque que la femme meurt. Par rapport à ton projet de... Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco. Hé, Asso! Maman Choco! C'est bien là! Non, je suis là, la maison, je te dis, hein, s'il te plaît.
Envoie deux enveloppes à ma fille, là-bas à la maison. Demain, on va gérer. Je suis trop pressée. La mère, tous les jours, tu dis demain, demain n'arrive jamais, la mère. Demain n'arrive jamais avec toi. Paye une fois, tu pars avec nous, la mère. Ok. On dirait que tu m'attendais ici. Justement, je t'attendais. La mère, mets-toi pas ma place. Si tout le monde vient prendre le crédit comme toi, là, moi, je fais comment? Dis-moi, petit, chacun vient, il prend, il part avec, il prend, il part avec. Moi-même, je vais vendre quoi? Regarde, regarde mon comptoir. Tu me dois, il y a 10 à 10 deux. Regarde ce que je vends. Non, mais je ne pas, non. On ne va pas gérer, la mère. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Attends. C'est pour 20 000 que tu parles comme ça. Tu ne peux même pas bouger où tu es là. Tu vas me donner mon argent. Comment ça? 10 à 10 deux déjà, ça fait combien? Regarde mon comptoir. Non, la mère, donne-moi. Attends, tu crois que c'est ce que nous partageons pour de l'argent? Donne-moi mon argent. Si tu n'as pas l'argent, tu me donnes ton sac ou tes chaussures. Je ne peux pas laisser. Comment? Donne-moi mon argent. Ok. Et tu me fais servir comme ça? La mère, tu vas me donner mon argent. 20 000 francs là, c'est mon fonds de commerce. Tu connais la tenue ici? C'est quelle tenue? Tu as pris l'avion pour venir ici? Alloué. Hein? Je suis sûr que tu as prêté la vie, je veux mon argent. Si ma fille te raconte, quand tu as de l'argent, quelle fille? Quelle fille? La mère, appelle le billet. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Lâche mon habit. Je ne laisse pas. Donne-moi mon argent. Je vais te froisser. Je dis qu'elle est la mère. Donne mon argent. Trop, c'est trop. Lâche mon habit. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui là. Tu vas me donner mon argent. Je ne dois plus jamais accepter les vies ici. Il n'y a pas de problème. Donne mon argent. Tous les jours, c'est la même chose. Tu viens, tu prêtes, tu n'as pas l'argent. Tu prêtes, tu n'as pas l'argent. Regarde mon compte, comment c'est vie. Non, ça va. Voilà 10 000. Voilà 10 000. Demain, ma fille va venir te donner. Ça ne suffit même pas. Oui, ma fille va venir. Il n'y a pas de demain. Ce soir, avant 19h, je dois avoir tout mon argent. Sinon, je vais débarquer dans ton cafétéria. Ce que je vais faire là-bas. Que tu peux faire quoi? Je dis que ce que je vais faire là-bas. Que tu peux faire quoi? Tu vas voir ce que je vais faire. Que tu vas faire quoi là-bas? Je vais tout gâter. Tu es malade, hein? Quand tu es petite comme la mouche là, essaye un peu. La mère, tu n'as pas peur de moi. La mère, tu parles en quoi haute voix? Tu veux que tu te déshabilles? Essaye. Je récupère là-bas ton sac et tes chaussures. Tu parles à la réunion la pieds nus. Tu es trop malhonnête. Tu ne respectes pas ton âge. Tu ne respectes pas ton âge. Laisse normalement, tu as l'âge de ma mère, mais je sens que tu manques de respect. Et tu me fais comme ça. Le foie. Tu vas faire quoi? Tu me manques de respect. Je te manque. Tu vas faire quoi? Vamos à la playa. On s'amuse et la panne, oui, tous dans le move. Vamos à la playa. Hey girl, hey boy, venez avec nous. Vamos à la playa. On va vous mettre bien pour ça, y'a pas de doute. Vamos à la playa. Hey, hey, vamos à la playa. Ouf. Vamos à la playa. On s'amuse et la panne, oui, tous dans le move. Vamos à la playa. Hey girl, hey boy, venez avec nous. Vamos à la playa. On va vous mettre bien pour ça, y'a pas de doute. Vamos à la playa. Hey, hey, vamos à la playa. Du-d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 u